Non, tu commences à t'habituer au stress de la prépa, au stress d'école, des DS et des deadlines impossibles. Il y a une nouvelle source de stress qui va arriver pour que tu aies enfin de nouveau un bon niveau de stress pendant toute ta prépa. Le stress de choisir ton option. Et si tu ne sais pas quoi choisir comme option, voilà les meilleurs conseils pour faire un super choix d'option. Ne pas choisir ce que tu aimes. Avant toute chose, il est très important de ne surtout pas faire ton choix en fonction de la matière que tu préfères. Parce que tu es en prépa, donc tu es là pour souffrir et pour que ce soit difficile. Donc il ne faut surtout pas choisir la matière que tu aimes, parce que sinon ce serait moins difficile. Donc c'est complètement absurde, il faut que toute ta prépa soit difficile pendant tout le temps. Donc ne choisis surtout pas la matière que tu aimes pour t'assurer de ne pas passer du bon temps pendant ta prépa. Oui, donc moi, j'ai choisi comme option chimie, parce que je déteste ça. Enfin, stupide, ça n'a aucun sens, c'est pas rigoureux. J'aime pas ça, donc en fait j'ai choisi la chimie. Et du coup comme ça, je vais pouvoir dire que moi je mérite plus que les autres, parce que en plus de la prépa, j'ai pris une matière difficile et que j'aime pas, donc je mérite vraiment plus que les autres. Et si jamais tu vois, je rate l'X, je pourrais dire que c'est uniquement à cause de la chimie. Donc en fait, maintenant qu'on y réfléchit, en fait, je peux déjà dire que j'aurais dû avoir l'X. Préparer une super stratégie. Comme tu le sais, ce choix va avoir une importance énorme pour toute ta prépa. Ça va déterminer les matières que tu vas suivre, ça va déterminer les coefficients au concours, ça va déterminer les concours que tu vas passer, ça va déterminer la classe que tu peux avoir en deuxième année. Et donc tout ça, il faut que tu l'embrasses et que tu sois totalement, pleinement conscient de ça pour ressentir tout le stress que ce choix va t'imposer et pour pouvoir vraiment prendre une bonne stratégie pour pouvoir réussir toute ta prépa uniquement grâce à ce choix-là. La première étape pour faire ton choix est de regarder le nombre de places à l'X pour chaque filière. Et là, il te suffit juste de regarder le nombre de places. Ça ne sert à rien de regarder le nombre d'élèves qui passent le concours. Ça ne sert à rien de regarder le nombre de places pour les autres écoles parce que de toute façon, c'est que l'X qui t'intéresse. Donc, autant te sauver du temps et regarder uniquement le nombre de places. Ensuite, tu peux juste choisir ton option, juste en regardant quelle est l'option qui a le plus de places pour l'X. La seconde étape pour prendre ta décision de la manière la plus stratégique possible, c'est de prendre le maximum de stéréotypes pour avoir une bonne idée des gens avec qui tu seras l'année prochaine. Par exemple, c'est évident tous ceux qui sont en MPSI et qui prennent option info, ça va être des geeks boutonneux qui ne font que ça de leur vie. Tu sais aussi que tous les élèves de PCSI qui vont aller en psy l'année prochaine seront beaucoup moins bons en maths que les élèves de MPSI. Donc il est évident que même si tu es dernier de ta classe en MPSI, tu pourras battre tous les PCSI en psy, en maths. Enfin, tu peux aussi considérer des choses au feeling, comme par exemple tous ceux qui font SI sont forcément moins bons, tous ceux qui font de la chimie sont aussi beaucoup moins bons que ceux qui font de la SI. Bref, tu peux y aller au feeling du moment que c'est un bon stéréotype. Parce que c'est grâce à ces stéréotypes que tu vas pouvoir faire le choix le plus éduqué pour ton option. Enfin, une fois que tu connais le nombre de places à l'X et les stéréotypes, tu peux faire un choix super éduqué pour choisir ton option. Par exemple, tu peux faire le choix très stratégique de prendre l'option qui te permettra d'aller dans la classe où il y a les moins bons. Comme ça, tu es sûr d'être le meilleur parmi les moins bons. Ou tu peux aussi faire exactement l'inverse et prendre l'option d'aller dans la classe où il y aura les meilleurs parce que tu sais très bien que tous les meilleurs de ta classe vont prendre l'autre option et donc qu'au final, tu seras le meilleur parce que tous les meilleurs seront allés avec les moins bons. Ou alors, tu peux prendre la stratégie de la vanité, c'est-à-dire de choisir l'option la plus difficile pour entrer dans la classe la plus difficile parce que tu es forcément bien meilleur que les autres et donc toi, tu vas réussir là où c'est difficile, là où tous les autres vont forcément totalement échouer. Et bien évidemment, tout ça, tous ces choix de stratégie, peu importe lequel tu prends, tout va forcément exactement se passer comme prévu. Tu vas finir dans le top de ta classe parce que tu as réussi à faire un choix 100% stratégique que seul toi a été suffisamment intelligent pour te rendre compte qu'il existait et donc tu vas réussir à tout performer, toute ta prépa, uniquement grâce à ce choix. Alors moi du coup je suis complètement nul en info mais j'ai choisi de faire l'option info quand même. Parce que la SI, vraiment, c'est peur, quoi.
ça se rapproche de la physique, mais c'est encore pire. Donc voilà, j'ai choisi de faire l'option info. Mais dans tous les cas, en fait, ce qui m'intéresse, c'est les maths. Et puis de toute façon, en fait, l'option info, c'est mes parents qui m'ont dit que c'était la plus prestigieuse. Et donc, bah, moi, comme je fais des maths parce que c'est prestigieux, et bah, en fait, je fais l'option info aussi. Et voilà, maintenant, tu es prêt à faire super choix stratégique de prendre la matière que tu n'aimes pas, mais qui est la plus stratégique pour te permettre de réussir à tout faire. Et tout va bien se passer parce que tu es le seul à avoir réussi à penser à faire ce choix ultra stratégique. Profite bien. Et tu sais ce qu'aurait été la meilleure option en fait en prépa? Eh ben, ça aurait été de t'abonner à ma chaîne, liker cette vidéo et surtout la partager. Voilà. À bientôt.